The Minister of Secondary Education, Nalova Lyonga, organized a seminar in a bid to facilitate the payment of school fees and easy usage of online financial transactions. The seminar was attended by heads of institutions and parents that benefited from the vantage points of online payment of fees. Already, how many students have paid in and how many students are paying from which school, you know, etc. And as we told them, all the money that is coming in, they have 2 days before the money gets to Afriland. As soon as they collect, it must go to the bank. They don't have any right to keep the public money. And so that is what we were doing here. Doubts were cleared during this sitting as an interactive session for questions and answers gave an opportunity for participants to better understand how to use various codes to access valid school payment platforms and delegates to verify if codes are properly used. To ensure that everybody who is a participant in the mobile money process has all the information that they need. For instance, that all the regional delegates have the code to enter into the process of doing it. Also, the seminar focused on tutoring Cameroonians on how to properly utilize the internet to impact their communities positively. And therefore, we want to teach them how to use the internet for the correct things. That's why we're doing this. And in a little while, in some years to come, we want to say that Cameroon school children are good enough for our economy. That's why we are doing this. Though Cameroon is ranked 10th in Africa in terms of online markets and transactions, seminars like these are geared at mobilizing the younger generation to make a better future out of themselves just by being computer literate. Plus de sous-traitance dans les mairies d'arrondissement dès l'année prochaine. Ce partenariat n'a aucun fondement juridique, par conséquent est illégal. Les collectivités locales décentralisées doivent elles-mêmes conduire leurs projets jusqu'à terme. Ainsi l'a indiqué le préfet du département du Vouri ce 12 septembre 2019 au cours de la présentation du rapport du budget 2019 de la commune d'arrondissement de Douala Premier. Autre observation faite par la tutelle, c'est la non-atteinte des 50% du taux de consommation du budget tant en recettes qu'en dépenses. Nous constatons tous que on n'a pas au 31 août atteint les 50% tant en recettes qu'en dépenses, ce qui n'est pas de bon augure, mais l'environnement financier peut l'expliquer, mais pas tout. Pour l'exécutif communal, la remarque du préfet du Vouri est pertinente. Seulement, il y a aussi à reconnaître les efforts qui sont faits pour améliorer cet aspect de la chose. Malgré l'atmosphère économique morose, la mairie de Douala Premier a fait des efforts certains et importants pour approcher la barre des 50% du taux de réalisation de ce budget. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite et la volonté des hommes étant toujours d'explorer les cimes de la qualité de la gestion pour une meilleure offre au public, l'exécutif communal de Douala Premier a envisagé certaines mesures. Nous avons également pris un certain nombre de mesures pour améliorer pour les 4 derniers mois qui restent, n'est-ce pas, ce taux de recouvrement. Et en même temps, nous avons pris des dispositions particulières pour améliorer également et faire avancer le budget d'investissement public qui a été mis à la disposition de notre mairie. Le budget d'exécution 2019 de la mairie de Douala Premier au 31 août s'élève à 35 780 968 francs CFA. Il a été enregistré des sorties de plus de 230 millions de francs CFA, d'où un solde de plus de 738 millions de francs CFA. Au cours de cette rencontre, le 4e adjoint au maire et incidemment le 3e adjoint ont officiellement été installés. Though a good number of Cameroonians, both home and abroad, have reacted on diverse platforms on the president's speech, it is worthy of note that the address drew the attention of a good number of international organizations and religious entities.
The Secretary General of the United Nations welcomes every announcement and proposals highlighted by the President on Tuesday. While the European Union delegation in Cameroon says national dialogue is a positive solution in the pursuit for a possible solution in the crisis in the northwest and southwest regions of the nation. The Assistant U.S. Secretary of State for African Affairs, erstwhile, thinks that Cameroon needs an international mediator to totally eradicate violence in Cameroon's troubled regions. The African Union thinks Cameroon needs its former colonial master, France, to be an extra voice to the national dialogue. Though some international organizations have responded positively, some still think the president's call for national dialogue is a strategy to satisfy the international community. Pour le Conseil des imams et dignitaires musulmans, la main tendue par Paul Biya à travers le dialogue est une importante solution pour une sortie des crises. Le soutien se résume beaucoup plus de l'annonce de ce grand dialogue national. Nous en avons toujours appelé, c'est un discours d'apaisement. Le Sidimuc invite d'une part la communauté musulmane à se mobiliser pour ce dialogue. Nous pensons que la paix sur le plan national, pas sur le plan seulement de deux régions, est importante pour tout Camerounais et pour toute Camerounaise. Donc bien plus, au lieu d'appeler seulement les musulmans ou les imams, nous appelons aussi tous les Camerounais épris de paix, de profiter de cette avancée. D'autre part, le Conseil appelle à un déroulement serein de l'année scolaire, en particulier dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Toute religion révélée appelle à la paix, appelle à l'éducation. L'être humain sans l'éducation, il n'y a pas de développement. On n'est tout simplement pas être humain. L'éducation, c'est un droit universel, c'est un droit fondamental. Tout être humain, tout enfant a droit de bénéficier de l'éducation. Le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun s'est dit d'ores et déjà prêt pour contribuer à la bonne tenue du dialogue annoncé par le chef de l'État. Sur le dialogue annoncé par le président de la République, le mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés donnent leur position officielle. Aujourd'hui, grâce à l'inlassable action de la résistance nationale, nous sommes au dialogue, le dialogue est acté. Donc la position officielle qui a été rendue publique aujourd'hui visait à dire ok, acte pris de cette annonce qui vient 3 ans après un conflit déjà meurtrier. Mais mieux vaut tard que jamais. À savoir si cette coalition prendra pas au dialogue, la réponse de son porte-parole. Nous irons, nous sommes partisans de ce dialogue, d'autant plus qu'il fait partie d'un des points majeurs du plan national de résistance. Et nous pensons que les meilleures personnes pour nous y représenter sont le président élu Maurice Kamto, ses alliés Christian Pendeikoka, Albert Diongan, Paul-Éric Kingé et les autres cadres du MRC qui sont toutes ces personnes les meilleures d'entre nous et les personnes les plus indiquées pour conduire en notre nom la contribution en tout cas de l'alliance MRC et alliés à ce dialogue national. Nous appelons très clairement à l'arrêt des poursuites contre des innocents qui sont poursuivis devant un tribunal militaire civil. Eux, ils sont des civils poursuivis devant un tribunal militaire pour avoir marché pacifiquement. Dans la mouvance des réactions, il faut noter que Ayouk Tabi et son cabinet ont également pris position ce jour. Pour eux, le discours du chef de l'État est un non-événement. Ils estiment qu'en évoquant la marginalisation de la partie anglophone, Paul Biya a évité le problème profond étant l'indépendance de l'État d'Ambazonie, disent-ils. Pour eux, la crise dite anglophone étant un problème international, la communauté internationale devait être associée au dialogue dont il ne pousse pas les contours tels qu'annoncés par le président de la République. Pour cet originaire du Nord-Ouest qui a été contraint de fuir sa ville natale pour se retrouver à Douala, précisément au quartier Ngouélé, bloc 12, lieu dit village Bonambapère, du fait des menaces répétées des séparatistes, le chef de l'État doit, à travers des actes concrets, démontrer qu'il est vraiment pour le dialogue national. The dialogue which he's talking about should be a genuine dialogue that is going to involve everyone,
And if he's talking about forgiveness in his speech, then everyone should be forgiven. Not only those who are in the bushes with their arms should be forgiven. Those who are behind bars should be forgiven. À Douala, depuis 6 mois, cet enseignant à la base broie du noir. Malgré quelques petits métiers qu'il se dégote par occasion, la vie est un calvaire. Il nourrit un seul vœu, celui du retour à la paix, afin qu'il puisse rentrer dans sa ville natale. Life here is so miserable. The conditions we live here are so terrible. We live in a place where we don't even have good houses to live in. We live in a place where there is no food. We live in places where we don't have mattresses to sleep in. What we are crying is the dialogue should be a good and a fair dialogue that we can go back to our homes and live in a safer situations or conditions. Pour cet autre déplacé interne de la ville de Bamendar dans la région du Nord-Ouest, l'offre du dialogue national par le chef de l'État arrive à point nommé. C'est d'autant plus que cela viendra mettre fin aux souffrances, c'est du moins le souhait nourri. Moi, je vois que c'est bien. C'est ça qu'on attendait depuis, que c'est bien. On attend seulement maintenant la réalisation, qu'il fait ce qu'il a, il a dit qu'il va faire. Notre maison sont pleines, la famille, ça ne va pas, le temps est dur. On attend que le chef d'État amène la paix, c'est ça qu'on attend. Ici, même si la communication du chef de l'État est appréciée, reste que les sujets qui vont faire objet des échanges lors du dialogue national annoncé pour la fin de ce mois de septembre suscitent encore des interrogations. Let him look the why it should be so before coming to a dialogue. Because we cannot be dialoguing without knowing the cause of the dialogue. We should dialogue, we must know the cause of the dialogue. We kindly beg that he should look back what causes the problem. If you see what was the problem, all things will be nice. All of us want to be together. We don't want separation. We are together. We are Cameroonians. En attendant que ce dialogue national prenne effet, le quotidien des victimes de la crise sociopolitique continue d'être enlisé dans un chasse-croisé entre la peur et la fuite. Je suis désolé, je ne l'ai pas suivi, monsieur. Pourquoi, monsieur? Oh, ce jour, j'étais occupé, hein. J'étais vraiment occupé. Les gens de nord-ouest, sud-ouest, qui sont dans la brousse, qu'on les fasse venir aussi au dialogue. Parce que quand les gens restent en brousse et on dialogue sans eux, je crois que peut-être ça n'arrange pas bien les choses. La seule chose qu'on peut retenir, c'est que le dialogue est là. Et tous les Camerounais qui étaient un peu dubitatifs à l'égard d'un dialogue sont maintenant sûrs que le dialogue est là et que le chef de l'État est un homme de paix. Son discours, quand il a dit qu'il faut d'abord que les ambassadeurs déposent les armes afin qu'on puisse trouver la solution aux crises anglophones. Et que vraiment si ça persiste, les forces de l'ordre vont passer à l'acte. Et moi, c'est là où j'étais pas très content de lui. Moi, j'ai voulu qu'ensemble, ils lui disent que, enfin, ça c'est mon dernier septennat. Pour le dialogue, c'est là une bonne chose, qui veut dialoguer. C'est là-bas, t'avais dit qu'il comprend là, ce que les Camerounais cherchent, veulent. Il faut que d'ici la fin du mois, ce qu'il a décidé de faire, il doit mettre ça en pratique. Parce que nous les Camerounais, nous plaignons tout le temps et il faut que ça change. Témoignage d'acteurs ressortis de la tripartite de 1991, des bons fruits ont pu y être cueillis. Pourtant, le manque de suivi dans la mise en œuvre des résolutions est ce qui a conduit à la crise sociopolitique qui secoue depuis 3 ans déjà les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous avons pu obtenir que tous les prisonniers politiques soient libérés. Nous avons pu obtenir qu'il y ait une amnistie fiscale et beaucoup d'autres choses. Mais nous avons raté la tripartite 2 qui, elle, devait donc asseoir la nouvelle constitution. On a abouti à une option de décentralisation par la gestion locale. Cette décentralisation devait mettre en place des régions. Donc l'objectif était que les populations puissent participer
à leur vie et au développement de leur commune et de leur pays. En cause, le manque de cohésion entre les différents participants appartenant aux partis politiques de l'opposition. Malheureusement, nous sommes sortis de la tripartite avec des résolutions et toutes les résolutions n'ont pas connu le succès parce que l'opposition n'était pas soudée autour de ces résolutions pour revendiquer et faire le suivi. Pourtant, les négociations avaient bien commencé, un autre sujet avait même pu être intégré à l'ordre du jour. Et nous avons pu avoir à l'ordre du jour un troisième point qui s'est ajouté suite aux négociations. C'était la refonte constitutionnelle. Parce que préalablement, il y avait donc deux points à l'ordre du jour, d'après le chef de l'État, qui étaient le code électoral et le code médiatique. Des erreurs qui devraient être évitées lors de ce dialogue national annoncé pour la fin de ce mois de septembre par le chef de l'État. Les différents acteurs doivent se préparer à y assister. Chacun doit y aller avec ses dossiers qui sont prêts pour que demain les Camerounais retrouvent le sourire, qu'ils mettent en pratique le vivre ensemble et que, ma foi, il y ait le pardon, les réconciliations, que les prisonniers politiques puissent sortir et que, ma foi, le Cameroun puisse avoir un décollage qui est calqué sur la réflexion des Camerounais. Comme en 1991 avec les villes mortes qui ont paralysé pendant plusieurs jours sept provinces du pays, les solutions ont pu être trouvées à la tripartite. Tous les espoirs résident maintenant sur le dialogue national pour qu'enfin cesse la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.